Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefeni Dvora Bat Esther et Bracha Bat Binyamin. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez de 5 minutes éternelles. Nous étions dans le Sechati Vraiment Perek Yud Aleph, Mishnah Hei Kohenet Shenit Arev Vlada Bevlad Shifchata Are Elu Ochlin Betrouma Vecholkim Chelek Echad Bagorin Ve'enan Mitam'in Lametin Ve'en Osim Nashim Ben Kshirot Ben Pesulot Higdilu Ata'arovot. ופטורים מן הזרוע ומן החיים ומן הקיבה, ובכורו יהיה רועה עד שיסתאב, ונותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים. On continue avec les Mishnah de Sfekot, des mélanges des bébés à la clinique, et avec cette fois-ci, une situation d'une femme de Cohen, qui avait aussi une servante, qui était elle-même Cohenette. On va expliquer pourquoi, mais... Un esclave de Cohen, il a le droit de manger de la trauma. Mais c'est pas un Cohen. Ouais, il ne peut pas faire de Birkat Cohen, par exemple. Et il a juste un droit de manger de la trauma. Et ce qui se passe, c'est que la femme et sa servante, les deux ont accouché en même temps. Et les bébés sont mélangés, on ne sait pas qui est le fils de qui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors sur ça, là, il y a toute une série de halakhot bien complexes pour ces deux enfants. Parce que les pauvres, ils sont ni esclaves, ni Cohen. Ils sont entre les deux, avec toutes les chomot, le principe est simple. Les chumrot des deux groupes vont leur venir. En l'occurrence, tout d'abord, il y a une kula, parce que pour le moment, en l'état, ils auront le droit de manger de la trauma. Vous savez pourquoi? Parce que le Kohen, il a le droit de manger de la trauma, mais même l'esclave du Kohen, il a le droit de manger de la trauma, la servante aussi, et le fils de la servante, il a aussi un statut d'esclave, il a le droit de manger de la trauma. Donc, ils pourront manger de la trauma, et même mieux que ça. Ils pourront même partir ensemble ou même séparément. Et prendre une part au Goren. Et excusez-moi, il faut nécessairement qu'ils viennent tous les deux ensemble au Goren. C'est quoi le Goren? C'est quand ils viennent à la grange. Soit il y a un moment où on distribue la Trouma pour les Kohanim. Il y avait comme ça, alors je ne sais pas exactement, il n'y avait pas d'usage imposé, mais en tout cas, si toutefois on invitait les Kohanim, venez, je vais aujourd'hui faire une distribution de Trouma. J'ai dit Kohanim qui viennent, je donne à chacun un petit dixième de toute la trauma, de tout ce que je vais leur donner. J'ai des quantités astronomiques de fruits à distribuer. Eh bien, lorsqu'ils vont venir, eux, ils pourront venir les deux en même temps, le Kohen avec l'esclave, et on leur donnera, parce que de deux choses l'une, parce que quoi qu'il arrive, ils ont tous les deux le droit de manger. Quantitativement parlant, il y en a un seul à qui ça revient, c'est le maître. Après, une fois que le maître reçoit, il fait ce qu'il veut. Mais malgré tout, donc, lorsqu'ils viennent ensemble, tu pourras leur donner. Par contre, un sans l'autre, tu ne pourras pas donner. Parce qu'on ne pourra pas donner à l'esclave, de peur que c'est lui l'esclave, en fait. Et que s'il va venir chercher la trauma au Goren, alors, il y a deux avis et tout ça. Mais en tout cas, il y a un. Cette année, il pense comme ça que s'il va venir au Goren, prendre de la trauma, les gens ils vont commencer à dire ah, il vient parce que c'est un vrai Cohen, c'est lui le vrai Cohen. Donc, pour ne pas arriver à une situation pareille, après, ils vont dire. On vous donne que si vous venez les deux, et on vous donnera une part pour tous les deux. Ok? Par contre, Ve'enan mitamin et metin ne pourront pas s'impurifier pour les morts, parce qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière, il n'a pas le droit de partir à une Levaya, il devra rester en dehors, il ne peut pas entrer dans le Welomet, le Kohen. Précision du Tifert Israël, toutefois, si son père, c'est-à-dire le père du maître, va mourir, il aura le droit de partir, parce que le Kohen a le droit de s'impurifier pour son père. Et dans ce cas, l'esclave, bien sûr, qu'il a aussi le droit de s'impurifier pour tout le monde même. Donc du coup, si c'est un de ses proches, il pourra partir à l'enterrement. Mais autrement, il ne pourra pas partir s'impurifier. Ve'en nosim nashim, vous vous rendez compte, ils ne pourront marier aucune femme, ben kshirot ben psulot, qu'il s'agisse d'une bonne femme, comme qu'il s'agisse d'une femme psula, qui est de mauvaise souche, c'est-à-dire qui est une esclave. Ils peuvent se marier ni avec une femme libre, ni avec une femme esclave. Avec une femme libre, non, parce qu'une femme libre n'a pas le droit de se marier avec un esclave. Et avec une femme
de bonne souche, peut-être que c'est lui l'esclave, il pourra. Ok. Il dit l'ou à ta arovote. Maintenant, bon, pour le moment, la situation elle est bloquée. On a donné la lachote en l'état. Il y a sur ça, maintenant, on peut avancer un petit peu plus. Il dit l'ou à ta arovote. Une fois qu'ils auront grandi tous les deux, ils ont atteint leur majorité de religieuse, je pense que ça suffit 13 ans. Et dans ce cas-là, ils se sont libérés l'un l'autre. Parce qu'on dirait, écoute, jusqu'à quand on va rester comme ça, c'est dommage. On ne peut pas se marier, on ne peut rien faire. Viens, soit moi je suis ton esclave, soit moi je suis ton maître. Soit toi tu es mon esclave, soit toi tu es mon maître. Tu sais ce qu'on fait? On demande, chacun, on demande à un sofer d'écrire un get kritut. On va faire la libération des esclaves. Moi je te libère et toi tu me libères. Comme ça, si c'était moi l'esclave, je suis devenu un homme libre. Et toi, si c'était toi l'esclave, alors tu es devenu un homme libre aussi. Et maintenant, alors là, cette fois-ci, ce sera, il y aura une nouvelle situation. C'est que chacun, on n'aura plus un doute, est-ce que c'est un esclave ou un Cohen, est-ce que c'est un Cohen, ou est-ce que c'est un guerre. C'est le même statut, un esclave est le même statut que le guerre. Soit t'es Cohen, soit t'es guerre. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Dans ce cas-là, Nosim Nashim Royot Hakona, ils pourront se marier avec des femmes qui sont aptes au Kohanim, mais pas d'autres. Ils ne pourront pas se marier avec une divorcée, par exemple. Parce qu'une divorcée, elle peut pas se marier avec un Cohen. Et là, comment tu vas la marier? Peut-être que tu es un Cohen. Venon Mitamin Lamitin, ils ne pourront toujours pas. Ça allait s'impurifier pour les morts. Parce que peut-être que tu es le Cohen. Et malgré tout, Vimnit Maou, Ensofgenatarabaim. Et cette fois, ils ont quand même voulu, ils sont partis au cimetière, on les a prévenus, on les a avertis de ne pas le faire, ils ont transgressé. Ils ne recevront pas les 40 coups du Cohen qui, si un Cohen qui va consciemment s'impurifier, on le prévient, il transgresse, on l'amène au Bedin, on le frappe 39 coups, le Tama Baal Behamav, je ne sais plus, c'est dit, il y a un lave. Il y a un lave pour le Cohen qui n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort. Là, dans le doute, on ne sait pas, peut-être qu'il n'est pas à Cohen, donc on ne pourra pas le frapper. Ve'enan ochlin batourma. Et ils ne pourront plus manger la tourma. Tant qu'ils étaient encore, il y en avait un qui était esclave, alors ils pouvaient manger la tourma, parce que soit tu es le Cohen, soit tu es l'esclave du Cohen, donc tu as le droit de manger la tourma. Mais dès qu'on libère l'esclave, il devient comme un guerre, il vient comme n'importe quel Israël qui n'a pas le droit de manger la tourma, c'est spécialement réservé au Kohanim. Mais toutefois, s'ils ont quand même pris, ils ont mangé, ils n'auront pas besoin de manger, ils n'auront pas besoin de payer le keren et chomesh. Soit, lorsque moi qui suis en Israël, si je mange la tourma d'un Kohen, Beshogeg, alors je devrai ensuite rembourser la tourma, premièrement, mais même aussi rajouter le cinquième. C'est une taxe à rajouter quand on mange la tourma du Kohen pour la kapara. Pour que jamais il pardonne la faute. Rajouter comme ça ce romèche. Là, cette fois-ci, ils n'auront pas besoin de le rajouter sur romèche. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a mangé comme une soda, peut-être que c'est réellement le Kohen. Venan Cholkin à la Goren. Et ils pourront plus, bien sûr, puisqu'ils ne peuvent plus manger la tourma, ils ne pourront plus me partir recevoir une part au Goren, parce qu'ils n'ont rien à faire avec la tourma, même pas la prendre pour ensuite la revendre, on ne leur donnera pas. Au Mochrin et à tourma. Vadamim Shalem. Et lorsqu'ils ont de la tourma, lorsque eux-mêmes ont des fruits maintenant, lui-même, il a reçu des fruits, parce qu'il paye pour la suite de fruits. Il a cultivé, il a cueilli, il a récupéré dans tous ses fruits. Donc il doit prélever la tourma, mais il n'a pas besoin de la donner. Parce que peut-être que moi je suis Cohen, qu'est-ce que je vais la donner? Je la garde pour moi. C'est ça le Umochrin et Tatourma. Donc, mais ils ne pourront pas la manger. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la vendre au Kohanim. Ok? Ensuite, Ve'adamim Shelahem. Et la valeur leur appartiendra. Donc il la vend et il garde l'argent. Excusez-moi. Ils ne pourront pas, bien évidemment, on lit tout d'un coup en fait. Là, on va parler de trois lachot qui se passent au Bet HaMikdash. Tout d'abord, les Kohanim au Bet HaMikdash, ils reçoivent une part. Toutes les viandes à manger, ça c'est sûr qu'ils ne peuvent pas rentrer à manger parce qu'un esclave, même l'esclave n'a pas le droit de rentrer, à plus forte raison d'étranger. Mais même mieux que ça, même recevoir. Une part des peaux. À l'époque, on utilisait beaucoup le cuir, le plein, c'était la belle. On utilisait donc, chaque fois qu'on avait des animaux, on récupérait la peau et on en faisait du cuir pour faire toutes sortes de gourdes, ça remplaçait le plastique quoi, à l'époque. Et il y avait maintenant, au Bet HaMikdash, lorsqu'on apportait le Kohanim, on donnait ensuite la peau, elle revenait au Kohanim. Là, ils ne pourront pas prendre de part des peaux du Bet HaMikdash. Ben Cholkin veut coacher HaMikdash. Kodashim, on ne leur donnera pas non plus des Kodashim ni à manger ni à faire monter en Corban, parce que peut-être que tu es en Israël.
Ve'en motzin shelahem miyadam. Et... Mais par contre, on ne leur sortira pas le korban qu'ils ont dans les mains, malgré eux. De quoi on parle en fait? On parle qu'imaginez maintenant, ce Safek Kohen, Safek Eved Meshuchar, peut-être que c'est un Kohen, peut-être que c'est un esclave affranchi. Et il a maintenant un troupeau. Il va avoir un animal qui va mettre une brebis, qui va mettre bas pour la première fois un Bechor. Alors là, cette fois-ci, ce Bechor-là, il aura une Gdusha de Kohen, mais il n'aura pas besoin de donner un Kohen. Il aura une Gdusha, comme tous les Bechor. Il devra attendre sans le faire travailler, en attendant qu'il va avoir un boom, un défaut, pour ensuite pouvoir le consommer. Mais il n'aura pas de devoir, pas d'obligation de le donner au Kohanim. Parce qu'il est peut-être lui-même Kohen. Donc, Ubturin, excusez-moi. Ven motzin shelain miadam, donc on leur sortira pas ce qu'ils ont dans les mains malgré eux. Pturin minazora menachem ekeiva, od alacha. Autre alacha. Lorsque on égorge un animal, vous savez qu'il y a une mitzvah de donner le zroa velechaim ekeiva, c'est encore en vigueur à notre époque aussi. C'est toute une histoire, comment faire, comment ça doit se passer à notre époque. Il y a la mâchoire, le bras droit et la keiva, l'estomac, ces trois choses-là, ce sont des parts que chaque fois qu'on égorge un animal, on doit donner ces parts-là au Kohanim. D'accord? Aujourd'hui, les éleveurs Irishamaim, ils font attention à ça, ils ont des solutions pour contourner le problème. En général, d'abord, il y en a qui, au lieu de contourner le problème, ont des solutions pour résoudre facilement le problème, c'est qu'on y trouve un Kohen et ils lui disent, écoute, on va fixer un prix à l'état brut, parce que je le fais très rapidement, je l'explique. Lorsque j'égorge un animal, je dois récupérer la mâchoire, le bras et la keva, le donner au Kohen. Mais maintenant, moi, je n'ai pas le devoir de me soucier, de lui dépecer, de lui saler, de bien lui préparer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais aller voir un Kohen. Et je vais dire, écoute, si tu veux, on fait quelque chose. Une fois que j'ai égorgé un animal, je te donne ce qu'il y a. Les parts, tu n'as rien. Mais moi, je me permets de... Si tu veux, je te les rachète. À 10 shekels, 15 shekels le kilo. C'est pas la peine de prendre un prix fort de viande, parce que pour le moment tu l'as à l'état brut, viens te casser toi la tête à la dépecer et à t'en occuper, tout ça. Si tu veux que je le fais moi le travail, alors je te vends l'état brut à 15 shekels le morceau de viande au kilo par exemple. Et maintenant, à la place, donc chaque fois que je gorge un animal, je vais donner l'équivalent de 40 shekels au Kohen par rapport à cette partie là qui lui revient. D'accord? Obturine, donc ça c'est maintenant, ça c'est en général. Pour notre cas précis où on a un doute. Est-ce que je suis Kohen? Peut-être je suis Kohen, peut-être je suis pas Kohen. Lorsque j'égorge un animal, je ne dois pas donner les zroa l'achengem me keiva. Au bchor yeroet sheistaev, c'est ce principe qu'on a expliqué juste avant aussi, que le bechor qui va lui naître, eh bien, il devra le paître jusqu'à ce qu'il va avoir un moule. Benotim alav chomre kohanim, ve chomre israelim. Et on mettra aussi sur ce Kohen, donc toutes les chomrot des Kohanim et toutes les chomrot des israelim, ça implique quoi encore? Comme ce qu'on n'en a pas assez dit depuis toute une mishnah entière. Alors, là, le Vartanor nous rapporte, en fait, la Gemara qui nous dit, par rapport à la mincha qu'on apporte au Beth Amikdash. Regardez comment ça se passe. Les oblations qu'on faisait au Beth Amikdash de blé, il y a deux masloulim. Soit t'es Kohen, soit t'es Israël. Lorsqu'on est Kohen, t'apportes ton oblation de blé, on la verse entièrement sur le misbéach. Lorsque t'es Israël, tu viens, t'apportes l'oblation, on prélève le kometz, une pincée, on la jette sur le misbéach, tout le reste est consommé par les Kohanim. Là, toi, qu'on ne sait pas est-ce que tu es Cohen ou tu es Israël, tu apportes une mincha au Beth Amikdash, une oblation de semoule, et bien qu'est-ce qu'on fera? Tu devras prélever le kometz, le donner au feu, et puis après tu rends tout le reste, et tu le jettes au feu aussi, parce qu'on n'aura pas le droit de le manger. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne nuit, c'est là.